Et du coup, pour cet épisode, la première chose qu'on fait, c'est buter ce boss. En vrai, on peut le prendre, hein. Il m'a pas l'air ouf, hein. Non? T'as eu de pari ouf? Non. Pas très jaune. C'est vrai. Du coup, on ne le vaincra pas en lui proposant de résoudre des problèmes mathématiques. Parce que genre, il va les résoudre trop Qu'est-ce que vite. tu déblatères? Parce que genre, il est jeune. C'est une blague raciste. Aïe, 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 aïe. aïe, 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 aïe. J'ai oublié que je devais récupérer les âmes. Je suis mort. Je suis mort sans avoir bu aucune potion de santé. Toi, t'es mort en ayant bu une. Ouais. C'est Link ou c'est Terracid? Je crois que c'est Link. Link a trouvé la carte de Domingo en holo. Pourquoi faire? Est-ce qu'il l'avait pas déjà? Eh non, il l'avait pas déjà. Une carte de moins à trouver. Ah non, c'est Terra. Tu les différencies pas? Bah, quand je vois que leurs mains, non. Comme j'ai pas le son. J'ai pas le son, j'ai que le visuel et je vois que leurs mains. Ah, tu es pas sur la méduse finalement? Alors, pas duré longtemps. Mais normalement, il y a une invocation aussi, il me semble. Il n'y a pas solaire? Pardon? Entre toi et moi, Godfrey, premier sang d'Elden. Arrête de faire du bruit avec ton clavier là. Faut taper le méchant, pas le clavier. Je connais pas encore ce pattern en fait. Du coup là j'avais plein d'opportunités de l'attaquer que j'ai pas prise. Et genre plein d'opportunités d'esquiver que t'as pas prise. Ouais. C'est dommage. Alors attends, je reste, y a pas un truc à invoquer. Parce qu'il me semble que oui, mais on a peut-être juste pas parlé au PNJ. Ouais, je pense aussi vu qu'on lui a pas parlé en fait, c'est pour ça. Façon, moi je les vois pas les invocations parce que c'est toi l'autre. Moi je suis prêt, on peut y aller. Par contre, je te vois pas marcher, je te vois glisser sur le terrain. C'est ce que je fais. C'est ce que je vais faire. Et du coup, ils nous suivent hein? Non. Ah donc là on a perdu une invocation pour rien quoi. Ah mes âmes! Je les ai récupérées ou pas? Oui je les ai récupérées. Ah ouais donc c'est vraiment un 1v1 là. Ça a 1v1 mais il a deux fois trop de PV. Tu parles tellement doucement que je sais que t'as parlé mais je sais pas ce que t'as dit. J'avais pas un bon timing d'esquive là.
Aïe. On peut le faire, hein, mais faudrait que tu meurs pas dans les 30 premières secondes. Je sais pas. Et il nous donne une pochette de talisman si on le tue, je crois. Ah, déjà que j'ai 4 talismans. Déjà que j'ai 3 talismans dont j'en ai rien à branler. Maintenant je pourrais en avoir 4 dont j'aurais rien à branler. Eh oui. Archers toi aussi. Je crois que j'ai arrêté de faire des vocations, ça arrête. Si si, c'est super utile. Ils sont one shot tout de suite. Ouais, c'est parce que tu les places mal. Regarde, moi les miens, ils ont survécu 2 secondes de plus. Après, contre ce boss là, ça perd super utile. Parce qu'il les focus. Après, c'est nous aussi qui jouerons mal l'aggro. Genre, il les focus parce qu'on lui laisse les focus. Ah, oh, j'avais tellement pas le bon timing. Après, si t'avais genre des incantations qui étaient tanky et cac. Mais j'ai pas de mana pour les invoquer. Eh ouais, c'est le problème. Cac. Ça veut dire corps à corps. Je crois qu'on est passé au... Putain, en une demi-heure, il a fait son ouverture terracide et là, on est passé à Link. Wow. Je suis ultra focus sur ce que je suis en train de faire. Aïe. Mais aïe quand il fait cette attaque là, en fait c'est les titanites niveau 9 qui peut les loot. Pourquoi tu mens? Vas-y, essaie, regarde. Oh, les bons dégâts sur le critique. Alors lui il fait des bons dégâts même quand il fait pas des critiques. En vrai, il est facile, Pierre. Focus et on l'a, quoi. En vrai, si on soulève correctement, qu'on le laisse loin de nos ZAD, on est bien. J'ai eu un plan et puis ça s'est retourné contre moi très rapidement. Ah, toi aussi, je t'ai retourné contre moi très rapidement. Oui. Et tu le... Ouais, t'inquiète. Surtout, tu t'inquiètes pas. Là, je suis à fond. Là. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je vais mettre mon casque. Parce que là, tu joues sans casque. Bien sûr. D'accord. Mais là, ça a l'air dangereux. À tout moment, j'aurais pu hurler des slogans nazis. Et tes voisins auraient pu t'entendre. Et t'as pris parce que je suis au casque. Ah non, mais je voulais dire dans le jeu. Ah. Il est con, lui. Ah. Intervention extérieure. Mais arrête de. Putain, tu casses les couilles. Là, tu vas mettre du bip. Mais non, parce que si je fais du bip, faut que je fasse du montage. J'ai pas envie de faire du montage. Regarde ce casque. J'ai pas vu parce que tu m'as énervé.
Bien joué avec moi. Ouais, c'est vrai que t'es vachement énervant, Pierre. Il veut me faire travailler, c'est ridicule. Il veut te faire travailler. Pierre Ota. Et lui s'en fout, sinon il est plus vite déjà. Ah il te tape et je meurs. Ouais ouais c'est fou hein. T'as forcé à appeler la police. C'est vrai tes arches ils font zéro dégâts. Ils sont pas là pour faire des dégâts, ils sont là pour build up le stagger. Je suis pas sûr que ça build up beaucoup. Et même si ça build up pas beaucoup, ça l'empêche de reset parce qu'il est constamment attaqué. Du coup même si on s'enfuit pendant une demi-heure en esquivant ses attaques, le stagger reset pas. Ils sont là pour maintenir la pression, pas pour faire des dégâts. Je suis pas sûr qu'ils sont très pressurisés. Mais en fait, c'est pas une vraie personne. Donc, ils s'en battent. Je pense qu'il est pas stressé. Mais on s'en bat les couilles. Parce qu'en fait, c'est juste une statistique, Je pense que l'intimidation factor n'est pas là. Le fait de se prendre des flèches continuellement l'empêche de reset sa stat. Je suis pas convaincu. C'est comme ça que ça marche. Je suis pas sûr. On est pas trop mal. Il suffit qu'on meure pas et qu'on continue de faire des dégâts jusqu'à qu'il meure et on a regagné. Putain, j'ai toujours pas récupéré mes armes. Toi Vincent. Oh. C'est quoi ce casque? 2 1 0 ton casque à mort. Mais comment tu bois à travers ce casque? Par le trou pour boire à travers le casque. Mais c'est pas le casque de du mec qu'on vient de looter? Si. D'accord. Peut-être le reste de son armure, même en voir. Ouais, je peux pas mettre cette armure, elle est trop grosse. Ah. Elle te va bien. Le casque tout seul, ça fait bizarre du coup. Alors qu'avec l'arche de l'armure, il y a une certaine logique. Là, on dirait le géant citrouille quoi. Les jambes, les mains et le casque, mais mon armure normale, ça va. Oh putain! Notre backline ne sera pas pression. Du 38. Ah, il y en a un qui est survécu, on n'est pas perdu. Quand il fait des attaques, il faut l'esquiver.
Mais arrête avec cette attaque de merde là. Il triche aussi avec son attaque de pied là. C'est vrai que ça n'a pas marché. C'est bien parce que grâce à l'enregistrement, je peux savoir depuis combien de temps on essaie de buter ce boss. Depuis combien de temps? Un quart d'heure. Bah, c'est que dalle en vrai. Franchement, c'est vraiment pas beaucoup. Ouais, mais ça m'a paru plus long. Depuis que ouais, bah, depuis c'est parce que t'es arrivé, ça paraît plus long. Vous avez parlé en même temps, du coup j'ai compris ce que Vincent a dit, mais j'ai pas compris ce que Pierre a dit. Bah, j'ai fait la même blague, mais adaptée à lui. D'accord. Mais moi, ce que tu dis, ça m'atteint pas parce que je mange des chocobons. Oh. C'est marrant, on aurait pu croire que c'était Vincent qui faisait ce bruit-là, parce qu'il venait de dire qu'il mangeait quelque chose, mais en fait, non. C'est clairement un bruit de je vois. Je suis son micro. C'était un peu de rien du tout, c'est juste Pierre qui a fait des bruits de bouche. Hein. C'est le SMR. Ah, Pierre, il est pas bon en ASMR. Je suis bloqué! Mais je suis bloqué là! Pourquoi je suis dans le coin? Parce que t'es puni. Je vais devant la porte. Ouais, là c'est bien. J'avais récupéré mes âmes ou pas? Ah bah ça, c'est pas là, c'est ton problème. Je crois que j'avais pas récupéré mes âmes. Je n'ai pas 13 000 âmes. Ça, c'est pas beaucoup. En vrai, non, c'est pas beaucoup. Mais ça réussit quand même. Moi, j'ai perdu au moins 400 âmes. Oh, 400? Tout ça? 400. Incroyable. Tu te rends compte du temps qu'il faut pour compter jusqu'à 400? Ça dépend en quelle 400. Vitesse tu comptes. Tu vois, si tu comptes genre 400 chiffres à la seconde, c'est pas très long. Ouais, mais un humain normal compte pas à 400 chiffres à la seconde. Pas précisé. Tu te rends compte que l'un qui lui manque le terrain numéro 1. Je crois qu'il a pratiquement tous les autres sauf le terrain numéro 1. C'est triste. Ouais, là je suis en train de pleurer, tu vois. Allez, j'ai perdu mes âmes. C'est un truc que genre qui est assez récurrent chez toi, j'ai l'impression. Là j'étais peut-être un peu tilté, donc ça compte bah pas. Alors. Tilté en un quart d'heure? Après mais... Ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec le temps que ça a pris, c'est juste que j'ai perdu 15 000 âmes quoi. Après mais... C'est même pas un demi-niveau. Et pourquoi il fait des commentaires le mec alors qu'il rage quitte dans les tutoriels de Dark Souls 3 là? Ouais. Pourquoi tu viens pas jouer à Elden Ring avec nous? Plus facile que Dark Souls 3 en plus. Je peux rage quitte dans le tutoriel de Dark Souls 3. T'as carrément rage quitte dans le tutoriel de Dark Souls 3. Hein. Le gameplay il était pas ouf et j'ai fait genre mais j'aime pas. C'est toi qui est pas ouf. Bien sûr. Alors pas vu plus longtemps t'as d'archer, on a plus de muse. Et encore? Mais encore? Mais attaque 6 fois d'affilée, hein, y a pas de soucis. Hein. En théorie, tant que t'es pas mort, il devrait continuer à attaquer. Mais pourquoi il ouvre sa gueule, lui, là? Pour te faire chier. Ça marche, hein? Parce que je suis doué dans ce que je fais, on dirait pas comme ça, mais... Ah, c'est pour ça que tu fais pas grand-chose. C'est pour pas trop impressionner les gens autour de toi. Eh oui, eh oui. Ouais, je comprends. Ouais. Après j'ai quand même fait des trucs de ouf aujourd'hui, tu vois. Le détail. Genre
j'ai peint une porte en blanc. Oh, une porte, c'est moche. Non. Oula Pierre, oula. Pense là-bas. Oui, vas-y. Excuse-le, putain. Allez, on est bientôt. On grid pas maintenant. Non, je gratte, c'est le moment où tu grides ça. Grid pas. Vas-y Pierre, succombe au grid. J'ai grid. Nice. J'ai débloqué un succès tellement j'avais jamais fait ce boss là. Mais t'avais pas fini le jeu? Ah non, je l'ai jamais fini. Ah, c'est peut-être avec Pierre que je vais finir pour la première fois. Aïe aïe aïe. Ah. Pierre, il avait fini par contre. Non. Oui, si. Ah, tu l'as fini? J'ai même fait une run avec tous les boss. Putain, d'accord, ok. Ça fera une vidéo de 20 minutes juste pour ce boss là. J'étais allé sur le wiki, j'ai fait la liste de tous les boss, j'ai fait une map sur Gimp pour être sûr d'en rater aucun. What the fuck? Et tu as trop de patience dans sa vie. Non, je me faisais chier. Ah bah oui. Non mais je comprends, je fais pareil, je fais déjà à 100% quand je me fais chier aussi. Mais... Ah non, j'ai pas fait à 100%, j'ai fait aucune autre chose que juste tous les boss. Ouais mais dans l'idée c'est la même idée. Ouais mais il y a plein de trucs que j'ai pas exploré, plein de quêtes que j'ai pas fait, plein de PNJ qui j'ai jamais parlé. Il a choisi un truc qui lui plaisait dans le jeu et il l'a fait, toi tu t'imposes de faire tout ce qui est écrit dans les succès. Voilà, ah oui, mais fait ça. Mais c'est que les succès, c'est pas les autres trucs, parce que je peux faire d'autres trucs aussi, mais je choisis de faire que les succès. Oui certes. C'est pareil. Tu vois, si je me dis je fais un 100% de Mass Effect, c'est pas les succès, c'est 100% de Mass Effect. C'est toutes les quêtes, tous les PNJ, toutes les merdes. Toutes les entrées du codex, hein. Ouais, mais ça c'est trop long, ça. Et c'est pas juste les récolter, hein. C'est les écouter aussi. J'ai écouté toutes les putains d'entrées du codex de Mass Effect, hein. Ouais, mais tu peux pas faire ça dans le 2 et dans le 3. Non. Mais je l'ai fait dans le 1. Avant que le 2 et le 3 sortent. Je sais plus, je les avais fait sur Xbox. J'avais fait sur Xbox 360. Je me souviens, Mass Effect 1 et sur Xbox 360. Incroyable. 360. En tout cas, ce boss était bien. On l'a vaincu hyper facilement.